L'État du Vermont dans le nord-est des États-Unis est connu pour ses feuilles d'automne spectaculaires, son sirop d'érable et ses stations de ski. Maintenant, il est également reconnu comme l'État qui a le mieux réussi à gérer la pandémie de coronavirus. Cela devrait être le modèle pour le pays malgré le fait que vous êtes un petit État. Mais cela devrait être le modèle car on arrive à un taux de possibilité si faible que l'on doit réellement commencer à ouvrir l'économie d'une manière sûre et prudente. L'État a toujours signalé l'un des taux d'infection par habitant les plus bas du pays. Il est aidé par le fait qu'il ait une population en bonne santé. Les activités de plein air font partie de la vie quotidienne de nombreux Vermontois. Le fait que l'État soit en grande partie rural aide également, mais les experts de la santé disent qu'il n'y a pas que cela. Nous travaillons ensemble, nous élaborons des plans et mettons en œuvre des sciences de la santé publique et c'est la raison, à mon avis. Au début de la pandémie, les écoles et les entreprises non essentielles ont été fermées. Les grands rassemblements ont été reportés. Cela a aidé à contenir le virus. Depuis lors, le gouverneur de l'État et les officiels de la santé ont tenu des conférences de presse bi-hebdomadaires avec des messages cohérents sur les lignes directrices. Ils ont réussi à faire comprendre aux gens ce qu'ils pouvaient faire pour se protéger eux et leurs familles et tout le monde dans notre communauté ici. L'utilisation du masque a d'abord été encouragée, puis obligatoire. L'État dispose également de protocoles rigoureux de tests et de suivi des contacts. Après les efforts du Vermont, les écoles ont reçu le feu vert pour commencer l'enseignement en personne. Les bars peuvent rouvrir et les hôtels peuvent fonctionner à 100% de leur capacité. Le Vermont est une grande destination touristique. Malgré les exigences de quarantaine imposées aux personnes venant des zones rouges, les risques d'une deuxième vague sont toujours là. Nous ne sommes pas une île et ce, pas plus qu'un autre État. Les gens demandent juste à tout le monde de traverser cette période et de suivre ces règles pendant que vous appréciez le feuillage. Les responsables de la santé du Vermont encouragent également tout le monde à se faire vacciner contre la grippe pour éviter un twindémique de Covid-19 et de grippe.